meilleur rempli que ce soit le numéro 1. Un peu plus. Peut-être 47. Vous n'avez pas sauté d'y aller, mademoiselle. Vous avez pris comment? C'est un obstacle isolé, on n'aura pas à se poser de questions. Par le fait que ce soit un double à une foulée, en plus, il ne peut pas rectifier la trajectoire beaucoup. Pour regarder, pour qu'on se remette au niveau de la lance, ça vaut mieux. Pour qu'on se remette au niveau de la lance, pour regarder. Parce que le fait que ce soit une foulée, le fait que ce soit une foulée, si tu veux, elle pourra sortir à droite. Quand sur deux foulées, on va aller voir, il faut qu'on aille voir à la lance. Ouais. Si c'était deux foulées, tu pourrais le faire, c'est un obstacle isolé, tu peux le faire maintenant, il faut qu'on aille voir à la lance. Si tu veux de façon telle que si tu veux à la réception celui-là, ta trajectoire, elle ne soit pas vers le tricolore là-bas, avec les arcs-en-ciel en bas. Alors après, ça c'est vu, 10B, donc tourne à droite, donc ils vont, je suppose, démonter le A, ils vont suppose démonter, donc il faudra tourner devant l'Auxerre, arc-en-ciel, 10, et là, si tu ne prends pas le risque de galoper, entre 10B et 11, c'est là que tu vas faire une faute intérieure. Ouais. Ça va te monter à la tête et tu vas dire allez, allez, il faut y aller, il faut avancer. Tu vas ouvrir tes doigts et là tu vas faire. Ouais. Donc, 1, 2, 3, on fait comme ça.